sur les retraits de matière active qui sont en cours pour 2022-2023, ce qu'on sait à ce jour. On fera un point également sur les nouveautés 2022. Je vous rappelle que dans le bulletin que vous avez reçu la semaine dernière, vous avez les informations complémentaires par rapport à tous ces éléments dont je vais parler maintenant. Et je vous rappelle également que c'est l'index phytosanitaire de la Confédération que vous trouverez sur le lien que vous trouvez sur la slide ici, qui fait foi en matière d'homologation et prescription d'application des produits phyto. Avant d'entrer concrètement dans le détail, simplement vous informer qu'il y a eu un petit changement en termes de procédure d'homologation des produits phytosanitaires en Suisse. Jusqu'au 31 décembre 2021, c'était l'Office fédéral de l'agriculture qui était en charge de cette procédure. Et depuis le 1er janvier 2022, c'est l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires qui a repris le flambeau. Donc, c'est eux qui vont valider définitivement l'homologation d'un nouveau produit phytosanitaire. Après, chaque office fédéral reste actif dans la procédure d'homologation avec ses compétences spécifiques. L'OSAF pour tout ce qui est toxicité humaine, l'Office fédéral de l'environnement, logiquement pour les aspects environnementaux liés à l'utilisation de ces produits, l'OFAG pour les aspects techniques, et puis le SECO pour ce qui concerne la protection des utilisateurs. Voilà. Au final, concrètement, pour vous et pour nous, ça ne devrait pas changer grand-chose. Ça reste aux mains de la Confédération pour tout ce qui concerne les procédures d'homologation des produits phytosanitaires. L'année dernière, je vous avais mentionné que pour certains produits, on avait dorénavant une zone non traitée, donc une bande tampon à respecter en bordure des zones résidentielles et des installations publiques. L'année dernière, on avait simplement un seul produit qui s'était vu conférer une exigence de ce type. Cette année, dans le cas du réexamen ciblé, on a toute une série de molécules qui se sont vues attribuer des 3 mètres, 6 mètres ou 20 mètres de zones non traitées à respecter en bordure des zones résidentielles et des installations publiques. Donc, ça s'est vraiment précisé cette année. Pour réduire cette zone non traitée et puis pouvoir intervenir jusqu'en bordure de parcelles, on va utiliser le même système de points que celui qui existe pour la réduction du risque de dérive en bordure des cours d'eau. Là, je vous ai mis le petit tableau qui résume le système avec la possibilité de ramener la zone non traitée à des distances plus courtes en prenant une série de mesures qui permettent de réduire le risque et donc d'obtenir les points voulus. Je vous rappelle également que en matière de mesures de réduction du risque de la dérive, le plus simple pour vous, c'est d'équiper votre pulvérisateur avec des buses à injection d'air. En fonction de la pression avec laquelle vous allez travailler, vous allez pouvoir obtenir de 0,5 à 1, 2, éventuellement 3 points. Cette buse à injection d'air, elle va devenir standard à partir de 2024. André reviendra là-dessus en fin de matinée et précisera l'utilité d'avoir ce système de buse sur nos pulvérisateurs. D'autres mesures sont prévues pour obtenir ces points. Si vous traitez sur la ligne, on a 1,5 point. Si vous utilisez le système Twin, on a encore quelques-uns dans la pratique, on a 1,5 point. Et puis, si on a une barrière végétalisée en bordure de parcelle, donc la bande herbeuse ou éventuellement une haie qui fait finalement barrière entre le cours d'eau et la culture qu'on traite, ça permet également d'obtenir un point. Je rappelle également que ces points, ces mesures sont cumulables et ça permet d'obtenir 1, 2, 3 points en fonction de la réduction de la distance qu'on souhaite obtenir. Voilà, ça c'est simplement un rappel. Maintenant, au niveau du réexamen ciblé, concrètement, le 2,4-D a été réexaminé l'année dernière. Et puis, pour toute une série de produits, on a des exigences supplémentaires qui ont été inscrites dans l'homologation. Et puis, vous retrouvez ce qu'on vient de discuter, ces aspects de zones résidentielles et d'installations publiques avec des bandes tampons. Je l'ai abrégé ici dans la présentation avec le terme ZRIP. Et puis, vous voyez que, par exemple, pour le produit Duplozan KV Combi, on a une zone non traitée de 20 mètres à respecter entre une zone résidentielle et la parcelle qu'on traite. Il y a aussi d'autres éléments qui ont été fixés pour différents produits, des zones non traitées par rapport au cours d'eau, des points ruissellement aussi qui ont été fixés. Donc, vous pouvez voir le détail pour les différents produits. Je ne vais pas entrer plus de détails là-dessus. Au niveau du réexamen ciblé, on a encore l'isoxaflutol qui est passé au crible pour le produit Adengo. Là, on a concrètement une réduction du dosage max qui a été fixée
qui est dorénavant fixé maintenant à 0,27 litres hectare. Pourquoi cette réduction de dosage? C'est simplement en fait pour permettre de respecter l'exigence, la nouvelle exigence en termes de quantité par hectare d'isoxaflutol en 3 ans. On voit que c'est fixé à 60 grammes. Et donc concrètement, si on utilise l'Adengo à 0,27 litres hectare, on va arriver à justement ces 60 grammes max qu'on a le droit en 3 ans. Donc ça, c'est un changement qui est acté pour 2022. Le Metsulfuron a été examiné aussi. Là, on a simplement le produit fini qui a été concerné par de nouvelles prescriptions avec des zones non traitées de 20 mètres et 50 mètres à respecter en bordure des biotopes en fonction du dosage avec lequel on va travailler avec ce produit fini. Les utilisateurs parmi vous des produits Agility et Atlantis Flex avec la matière active propoxycarbazone vont devoir respecter aussi à partir de cette année une réduction du dosage max. On était à 330 grammes par hectare avant, maintenant on a un maximum de 300 grammes hectare qui a été fixé pour les produits contenant cette molécule. Le sulfosulfuron qu'on retrouve dans le monitor, une sulfo qu'on peut utiliser parfois au printemps dans les céréales, notamment en cas de présence de souches, s'est vu aussi attribuer des restrictions supplémentaires avec une application max tous les 2 ans. Et puis on a encore le pyridate qui est passé au crible avec là aussi une zone non traitée de 3 mètres par rapport au biotope et également par rapport aux zones résidentielles et aux installations publiques. Voilà, ça c'est rapidement les éléments qui entrent en vigueur à partir de 2022 suite au réexamen ciblé de ces quelques molécules. Concernant le retrait de matières actives, donc là chaque année on fait le point par rapport à la disparition des molécules. Vous avez sur la slide les molécules en brun, c'est toutes les molécules que vous n'avez plus le droit d'utiliser, donc qui sont arrivées à échéance en fin d'année dernière ou au tout début de cette année. Vous voyez notamment qu'on a l'époxyconazole qui a disparu et puis certains d'entre vous ont peut-être entendu parler que l'Allegro, on pourrait encore continuer à l'utiliser ce printemps, donc c'est un petit peu particulier. Simplement vous expliquer que la molécule a été retirée, que certaines firmes phytosanitaires ont fait recours contre cette décision et le recours a permis finalement de prolonger l'utilisation de certains produits. Donc on a notamment Allegro et Lombral, donc deux produits qui contiennent l'époxyconazole qu'on peut encore utiliser ce printemps. Donc c'est un peu particulier, la matière active est retirée. Mais au gré des recours des firmes, on peut imaginer que certains produits auront une durée d'utilisation prolongée de quelques mois. Donc ça se complique encore pour vous après dans la pratique pour savoir où on en est avec l'utilisation de tel ou tel produit. En jaune, vous avez toutes les molécules qui vont disparaître dans le courant de l'année. Donc c'est des produits que vous allez devoir utiliser cette année encore, pour certains, la plupart vont se terminer au 1er juillet, donc on a encore la possibilité de les utiliser ce printemps. Là, on n'a rien de nouveau, hein, c'est toutes des informations qu'on vous avait déjà transmises l'année dernière. Et puis, en vert, les trois dernières molécules, l'alpha-cypermétrine, le cyproconazole et le prochlorase, ça, c'est ce qui est arrivé le plus récemment avec une disparition, donc un retrait de ces trois molécules au 30 juin 2023. Voilà pour ces retraits de matières actives. Donc ça, c'est en l'état des connaissances à ce jour. Une information encore par rapport, là, ce n'est pas une disparition de molécules, mais c'est la disparition d'un produit ou le retrait d'un produit. Le Boléro, donc, qui contient l'imazamox, a une homologation sur endive. Là, je vous ai listé les trois Boléros qui figurent dans l'index phytosanitaire. Vous en avez un avec BASF, deux le Gigax, et vous voyez qu'il y en a un seul qui bénéficie de l'indication application sur endive. Et malheureusement, ce produit-là disparaît au 31 décembre 2022. Donc ça veut dire qu'à partir du 1er janvier 2023, officiellement, on ne pourra plus utiliser le Boléro dans la culture d'endive, vu que les deux seuls Boléros qui vont rester sur le marché ne bénéficient pas de l'indication endive. Ça pourrait changer si BASF ou le Gigax demandent une extension d'homologation. À notre connaissance, ce n'est pas le cas. Donc, c'est quand même un changement important pour les quelques producteurs d'endives parmi vous. Ça fait une solution de désherbage intéressante qui disparaît quand même à court terme. Voilà pour le retrait de molécules ou de produits. J'en viens maintenant aux nouveautés. On en a quand même cette année, notamment dans les céréales,
où là, chose très rare depuis quelques années, on a une nouvelle molécule qui a été homologuée en Suisse. Cette molécule, c'est l'alloxyphène méthyle, que vous retrouvez aussi sous le terme Arylex si vous faites quelques recherches en France. Cette molécule, donc, c'est une hormone qui a été homologuée donc, dès cette année et que vous allez retrouver dans deux spécialités commerciales, le Cerelex de Steller en association avec le Florazulam, donc le Primus, et puis dans le produit Pixaro en association avec le Fluroxypyr, donc l'Appel ou le Staran. Et ça, c'est un produit d'Omia. Ces deux solutions sont destinées principalement pour une intervention au printemps. C'est des antidicotes stricts qui ont un spectre d'efficacité, on le verra par la suite, assez intéressant. C'est un produit qui est très souple en termes de plage d'application. Vous voyez qu'au printemps, dès le stade 3 feuilles jusqu'à la dernière feuille étalée, et puis pour le Cerelex, à part dans l'orge, on peut même aller jusqu'au stade éclatement de la gaine. Donc on a une large plage d'application au printemps. Ces deux produits bénéficient d'une homologation dans toutes les céréales, à part l'avoine. Et puis, vous voyez qu'en termes de prix, on est autour des 50 francs. Donc, à 1 litre hectare pour le Cerelex et à 0,5 pour le Pixaro. Ces produits, en principe, ne sont pas utilisés en solo, mais par contre, seront proposés par les firmes en mélange avec leur spécialité. Donc, typiquement, le Cerelex qu'on va pouvoir associer avec le Talis pour Steller, et puis le Pixaro qu'on associera avec le Sprinter chez Omia, et ça permettra d'avoir un spectre d'efficacité très large, graminée et dicote. Pourquoi cette molécule, l'alloxyphène, a été homologuée? C'est parce qu'elle bénéficie d'un spectre, ou bien plutôt d'un profil écotoxicologique au niveau environnemental qui est vraiment intéressant. Vous voyez qu'en termes de limitation, on a uniquement les 6 mètres de zone d'entrée à respecter en bordure de biotope. Autrement, on n'a pas de prescription spécifique. Donc, c'est ce qui a permis finalement à cette molécule d'arriver sur le marché suisse. Là, je vous ai simplement mis une petite comparaison en termes de grammage. Donc, si on prend le Primus, on retrouve les 5 grammes de florazulam habituel. Le Cerelex à 1 litre, on retrouve également les 5 grammes auxquels on vient ajouter les 6 grammes d'alloxyphène. Donc, on a une quantité de florazulam qui est équivalente. Et puis, si on compare le Pixaro avec le Staran ou l'Appel au dosage habituel, on a aussi là des dosages qui sont relativement proches en termes de fluroxypyr et on retrouve exactement aussi l'alloxyphène. Donc, ce qui fait qu'en termes de spectre d'efficacité, on a repris les spectres des produits Primus Appel Staran et puis on l'a adapté avec les informations qui nous ont été données par les firmes. Ces spectres d'efficacité, vous les avez sous les yeux maintenant. Donc, on retrouve un antidicote strict hein, pour ces deux spécialités, avec des efficacités vraiment intéressantes sur bleuet, sur gaillet, sur coquelicot, sur la camomille pour le Cerelex. Donc, c'est là en priorité qu'on a l'intérêt de ces molécules. Alors, clairement, ce n'est pas une révolution, voilà, c'est des spécialités supplémentaires à disposition. Et qui, en association avec d'autres produits des firmes, permettront d'avoir un spectre d'efficacité complet. Voilà pour ces deux spécialités céréales avec la nouvelle molécule alloxyphène. Toujours dans les céréales, on a un régulateur supplémentaire qui a été homologué cette année, donc le terpal de BASF. On va retrouver les téfons qu'on connaît déjà, dans lequel on a associé une des deux molécules du MEDAX, donc le mépicoate chlorure. Ce produit sera prioritairement utilisé dans l'orge et le seigle. Il a aussi une homologation dans le triticale, mais ce n'est pas forcément là qu'il sera le mieux valorisé. Donc, en priorité dans l'orge et le seigle, on a une homologation maximale qui est fixée à 2 litres et demi. BASF recommande dans sa stratégie de régulation d'intervenir avec le terpal, deuxième régulateur dans l'orge notamment, à 1 litre, 1 litre et demi. Et ça permettra de compléter, de terminer finalement la régulation dans ces deux céréales, orge et seigle. Le terpal est intéressant par rapport à l'étéfond en termes de plage de température. Vous l'avez ici, où l'étéfond est quand même assez exigeant en termes de plage de température. Le terpal amène un peu plus de souplesse et nous permet d'intervenir voilà, un peu plus de possibilités au printemps pour réguler l'orge et le seigle. Donc ça nous fait une spécialité de plus. Là, en termes de régulation dans les céréales, on est vraiment bien doté. On a de nombreuses spécialités à disposition pour faire le travail.
Si je quitte les céréales pour arriver dans les betteraves, où là on n'a pas une nouvelle homologation, mais on a un insecticide supplémentaire qui a été autorisé temporairement, donc au même titre que le Gazelle et le Movento, vient s'ajouter dans la stratégie de lutte contre les pucerons le produit TPK. Les producteurs de pommes de terre parmi vous le connaissent déjà, ce TPK. Dans les pommes de terre, il est utilisé à 160 grammes hectare, dans la betterave. Il bénéficie d'une autorisation à 140 grammes. Donc c'est un produit systémique translaminaire qui présente une bonne efficacité contre les pucerons et qui fera clairement partie de la stratégie de lutte contre les pucerons pour prévenir l'apparition de la jaunisse. J'y reviendrai dans quelques minutes. En termes de prescription d'application, ce produit a une seule limitation. Il ne doit pas être pulvérisé, enfin il doit être traité plutôt en dehors du vol des abeilles si on a des fleurs dans la parcelle. Donc pour la culture de betterave, ce ne sera pas une contrainte supplémentaire. Vous voyez que ce produit donc, est autorisé temporairement. On a une application maximale par culture et il reste soumis à autorisation dans le cadre de son application dans la culture de betterave. Si je fais un petit retour sur la campagne 2021, suite au monitoring qui a été mis en place et la stratégie de lutte contre les pucerons pour prévenir l'apparition de la jaunisse dans la betterave, on a des dizaines d'échantillons de betteraves qui ont été transmis à Changin pour analyse, pour faire le point sur la présence ou non de virus de jaunisse dans nos parcelles de betteraves. Et vous voyez sur l'écran de gauche, ici, que... Hop, voilà, ça fonctionne. On a à peu près 60% des parcelles qui ont été analysées à Changin qui présentaient des symptômes de jaunisse, où la jaunisse était confirmée par analyse. Et puis très souvent en Suisse romande, on avait une mixité en termes de virus. Donc on avait deux, voire trois virus qui étaient présents en simultané. On avait à peu près la même image en Suisse alémanique, avec aussi un pourcentage assez important de parcelles touchées par la jaunisse. Au final, l'année 2021, elle a été quand même moins préjudiciable que l'année 2020. On a eu une pression puceron qui était quand même sensiblement inférieure à l'énorme pression qu'on avait vécue en 2020, ce qui a conduit à des résultats assez satisfaisants dans certaines régions. Et malheureusement, on a quand même des régions, des secteurs qui ont été fortement pénalisés par la jaunisse et le SBR, avec des rendements qui étaient vraiment pas satisfaisants du tout. Pour information, dans le cadre de cette campagne d'analyse, le SBR a été aussi analysé et dans le coton de veau, tous les échantillons qui ont été transmis à Changin étaient touchés par le SBR. Donc on peut vraiment partir du principe maintenant que le SBR est présent partout dans le canton et que donc la liste variétale spécifique qui a été préparée par le Centre Betteravier a tout son sens en matière de choix de variété par rapport à cette maladie. Si je viens maintenant à la stratégie qui sera proposée pour 2029 pour prévenir l'apparition de cette jaunisse, on va conserver exactement la même stratégie que celle qui a été mise en place en 2021, qui a relativement bien fonctionné. Donc on aura un réseau d'observation chapeauté par le Centre Betteravier en collaboration avec le canton, avec l'objectif d'aller dans les parcelles de betteraves, dans les différentes régions betteravières du canton, déterminer l'arrivée des pucerons dans les parcelles et puis ensuite déclencher les interventions par secteur lorsque le seuil sera atteint. On va toujours travailler également avec le système d'autorisation de traitement régional, comme ça a déjà été le cas en 2021. En termes de choix de produits à disposition, donc là vous avez un résumé des trois solutions qu'on aura à disposition ce printemps. Donc on retrouve l'acétamipride avec le Gazelle et les autres non commerciaux pour les autres firmes, le TPK donc qui vient s'ajouter cette année et le Movento. Pour rappel, l'année dernière vous avez la stratégie était une fois Gazelle, deux fois Movento. Là vous voyez dans le tableau que le Movento on a plus deux applications qui sont autorisées, mais on n'en a qu'une. Mais en contrepartie, on a le TPK qui est venu se rajouter. Donc concrètement, on a une application pour chacun de ces produits qui pourrait être effectuée ce printemps. En termes de stratégie, voilà ce qu'on a prévu. Donc si les pucerons devaient arriver de manière précoce dans nos parcelles, donc sur des jeunes betteraves, stade cotylé dans deux feuilles, là on va partir avec la stratégie complète dès que le seuil sera atteint, avec d'abord Gazelle et puis ensuite un rythme de 15 jours, la deuxième intervention avec TPK et la troisième avec Movento.
Si les pucerons devaient arriver plus tardivement dans les parcelles de betteraves, à ce moment-là, peut-être que deux interventions suffiront. Et là, on travaillera avec Gazelle d'abord et puis Movento par la suite. Pour ceux d'entre vous qui auraient choisi la mesure 8 du plan phyto-vaudois, et puis cette mesure, donc vous renoncez à l'utilisation des non-nicotiques foliaires, donc des gazelles. À ce moment-là, vous n'avez plus que le TPQ et le Movento à disposition, donc deux applications. Et on commencera à ce moment-là d'abord par TPQ et on terminera avec le Movento. Voilà ce qui est prévu en termes de stratégie insecticide dans la betterave pour ce printemps 2022. Un dernier élément encore avant de repasser la parole à André, un petit point d'actualité concernant le permis de traiter. On en avait déjà parlé il y a 2 ans en arrière. Je profite de cette séance pour refaire le point. J'ai pris quelques slides d'une présentation qui a été faite par la Confédération la semaine dernière. Concrètement, la révision des ordonnances qui concernent les permis de traiter sont en cours. Donc maintenant, on a un peu plus de précision par rapport à cette révision, avec une entrée en vigueur en 2026 et 2027. Concrètement, ce que ça va signifier pour vous dans la pratique, l'examen, enfin le permis de traiter ne pourra être obtenu qu'en réussissant un examen. Donc aujourd'hui, un jeune qui finit son CFC a automatiquement le permis de traiter. À partir de 2026, ce ne sera plus le cas. Il devra, dans le cadre de sa formation agricole standard, passer un examen théorique et pratique pour obtenir le permis de traiter. Par contre, vous qui êtes titulaire du permis de traiter, à ce moment-là, il n'y aura pas la nécessité de repasser un examen, bien heureusement, mais vous allez bénéficier des acquis et puis vous allez obtenir directement un nouveau permis de traiter pour la période 2027 et les années qui suivent. Un changement également que je vous avais annoncé il y a 2 ans en arrière, c'est que ce permis ne sera plus valable à vie, mais il aura une durée de validité qui était prévue initialement à 5 ans dans le plan phyto de la Confédération. Et puis vous voyez qu'ici sur la slide, c'est noté permis valide 8 ans. Donc c'est ce qui figure dans la consultation. On verra si ça va rester à 8 ans. Mais donc ce qui est prévu, c'est que votre permis sera valable pour une période de 8 ans et il devra être renouvelé en suivant quelques heures de formation continue pour repartir pour une nouvelle période de 8 ans. Concrètement, en termes de calendrier, durant l'année 2026, il y a une base de données qui va être créée par l'Office fédéral de l'environnement et tous les agriculteurs titulaires d'un permis de traiter devront s'annoncer dans cette base de données pour finalement obtenir le nouveau sésame qui sera nécessaire à partir de 2027 pour vous permettre de traiter et surtout d'acquérir des produits phytosanitaires. À partir du 1er janvier 2027, pour acheter des produits phytosanitaires réservés à usage professionnel, vous devrez être titulaire d'un permis de traiter. Si vous ne figurez pas dans cette base de données, vous ne pourrez plus acheter de produits phytosanitaires destinés à un usage professionnel. Donc c'est quand même important. Donc vous aurez la possibilité durant 2026 de vous inscrire. On peut imaginer qu'il faudra transmettre à l'Office fédéral d'environnement une copie du permis de traiter actuel ou de votre certificat de formation agricole qui permet d'attester ou de fournir l'équivalence finalement. On reviendra en temps voulu vers vous pour vous informer du détail. Ce qui est prévu, c'est que cette base de données soit liée au système Agate. Donc comme ça, il n'y a rien de nouveau. Vous avez l'habitude de travailler avec cette plateforme-là. Et la plateforme permis traité viendra se rajouter au système Agate. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin en termes de nouveautés et quelques changements en matière d'homologation. J'arrête le partage. Du coup, comme je partageais, je n'ai pas vu s'il y avait des questions. On peut peut-être ouvrir la discussion. Voilà, donc je rétablis le son pour tous. Il y avait des questions de vive voix. Donc, il y a eu la question concernant les zones résidentielles, en fait, le traitement plante par plante. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de précision. On ne sait pas si les contraintes vont s'appliquer également au traitement plante par plante, sachant que toutes les applications plante par plante du 2KB sont retirées. Avec une seule, mais elle est retirée. Il y a la question Boléro et endive. Donc, pour Boléro et endive, bah, effectivement, il y avait une homologation particulière qui avait été faite en son temps. On espère qu'elle sera reconduite. On ne peut pas vous donner les résultats maintenant. C'est la branche qui va devoir le demander. Donc, là, c'est clairement la branche qui doit s'activer.
Ce n'est pas les firmes ni les services phytosanitaires qui pourront agir là, à ce niveau-là. Il y avait également la question du réglone, donc disparition du réglone, effectivement. Il reste encore Rafflefène, Carfentrazone, donc Firebird et Spotlight. Il y a également le ciplan. Il y a les dessiccations mécaniques aussi qui sont possibles, mais c'est clair que l'effet choc rapide de réglone a manqué surtout dans la production de pluie. Donc ça, c'était les questions qui sont arrivées par écrit dans le chat. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui voulaient poser une question directement. Donc vous pouvez rétablir le son en cliquant sur le micro qui est tout à gauche en bas pour rétablir le son et poser la question. Ça ne semble pas le cas, autrement n'hésitez pas à réagir aussi par écrit. Donc, de mon côté, je vais reprendre certains résultats qui ont été communiqués ou bien qui nous ont été communiqués par la Direction générale des environnements, des résultats de la qualité de l'eau dans les cours d'eau. Je crois que c'est bon, hein, vous voyez mon image. Qualité des cours d'eau, dans le sens, ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois pour l'année 2021, donc des résultats m'ont été déjà transmis janvier, 4 ou 5 janvier 2022, pour l'année 2021, on a pour 10 cours d'eau une analyse complète en fait de ce qui a passé dans ce cours d'eau. Ce qui veut dire, c'est que régulièrement, dans la journée, il y a des prélèvements d'eau qui sont faits en fonction du débit et ça donne un échantillon cumulé qui est analysé tous les 14 jours. Donc, ça permet d'avoir une traçabilité de tout ce qui a passé dans le cours d'eau. Donc, ça, c'est nouveau. Ça avait déjà été démarré en 2019, juin 2019. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas les résultats du printemps parce que c'était nouveau. Donc, il manquait cette. Ça ne donne pas une image globale. Et malheureusement, printemps 2020, on a eu l'arrêt Covid qui fait que le laboratoire a dû être fermé. Et donc, on n'a pas non plus d'analyse pour le printemps 2020. Donc, c'est la première année où pour les 10 cours d'eau qui sont mentionnés sur le dia, on a effectivement une analyse totale de ce qui a passé. 120 substances analysées, des médicaments, mais également 19 fongicides, 44 herbicides et 21 insecticides. Dans les insecticides, pour 2021, il manque les pyréthrinoïdes, qui sont des produits, donc cypermétrine, lambda cyhalothrine et compagnie, des produits qui se retrouvent en traces très très faibles, mais avec un impact très fort, on le verra en cours de présentation. Donc, là, ça, c'est ce qui concerne les cours d'eau. En fait, pourquoi ces cours d'eau-là? C'est qu'il y a certains cours d'eau, comme la Broye, la Venoge, ou la Thielle, qui sont des cours d'eau avec un flux important. Et on a des cours d'eau moyens, tels que la Monthue ou le Boiron, mais également des petits cours d'eau comme l'Eau Noire, la Promontouse, le ruisseau de Gy ou le Combagny. Donc, l'objectif, là, pour la Direction générale de l'environnement, c'est d'avoir une vision globale de ce qui se passe dans le cours d'eau du canton. Et en même temps, il y a également 15 nappes souterraines, donc pas forcément des eaux souterraines qui sont utilisées pour les réseaux d'eau, mais des nappes souterraines. Là, ce n'est pas des analyses de 15 jours qui sont faites, c'est tout simplement des analyses instantanées en mai et en novembre qui sont faites puisque il n'y a pas de flux important, pas de variation non plus en fonction, il y a peu de variations en fonction de la saison. Là, il y a de nouveau des médicaments qui sont analysés, mais c'est principalement, comme on est en grande partie en zone agricole, des fongicides ou métabolites de fongicides, hein, donc on a trois métabolites de fongicides qui sont analysés. Les herbicides, dont 34 métabolites.
L'objectif pour moi, c'est de vous donner quand même une appréciation globale de ce qu'on retrouve dans ces cours d'eau pour savoir ben, voilà, ce qui s'est passé, pour informer directement la pratique. Donc, premièrement, l'appréciation de ces cours d'eau va se faire selon l'ordonnance de la protection de l'eau. Et il y a deux valeurs qui sont utilisées, ou bien deux types de valeurs qui sont utilisées concernant les eaux de surface. On a la valeur de 0,1 microgramme par litre, ou bien 100 nanogrammes, qui est valable pour toutes les substances actives. C'est une valeur très vieille, si on veut, puisqu'elle a été définie dans les années 90 comme étant le seuil de détection. Elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Mais pour certaines substances, il y a des valeurs individuelles qui sont liées à la toxicologie, de la toxicité du produit. Donc, il y a cette valeur individuelle qui est fixée et qui est retenue. Donc, s'il y a une valeur individuelle, c'est cette valeur-là qui est utilisée pour l'appréciation. Et si elle n'existe pas, c'est la valeur de 0,1 microgramme par litre. Pour les eaux souterraines, on a également cette valeur de 0,1 microgramme par litre qui est appliquée pour les substances actives et pour les métabolites pertinents. Métabolites pertinents, c'est un produit de dégradation de la substance active qui, dont les caractéristiques ne permettent pas d'éliminer tout risque ou bien, en fait, ne permettent pas de dire qu'elle ne correspond, donc elle n'a pas potentiellement les mêmes caractéristiques de la substance active, donc pas exclure le risque, tandis que les métabolites non pertinents, donc ceux qui ne sont pas classés comme tels dans l'homologation, ces métabolites non pertinents sont appréciés comme toute autre substance chimique avec une exigence réduite, donc nettement plus élevée que 0,1 microgramme litre. On parle généralement de 10 microgrammes par litre. Donc ça, c'est la base qui permet d'évaluer la qualité légale, si on veut, de ces cours d'eau. Là, vous avez les résultats résumés par cours d'eau. Donc, en fait, l'épaisseur du cadre indique le nombre de dépassements de substances. Donc, ça montre, on a certains cours d'eau qui voient apparaître 22 fois, par exemple, pour l'eau noire, dépassement, en fait, de valeur légale, que ce soit 0,1 ou la valeur toxicologique, et d'autres cours d'eau comme Romentouze ou le Combagnou ou la Thiel, où on n'a que 4 dépassements d'une molécule dans ce cours d'eau. Donc là, il est clair que faut prendre en compte le type de production qui est sur le bassin versant, premièrement, hein, dans le sens si vous avez beaucoup de production de cultures spéciales, que ce soit des légumes, de l'arboriculture, de la viticulture, donc les applications sont beaucoup plus fréquentes qu'en grande culture. Donc le risque d'avoir des concentrations élevées est plus grand. Et deuxièmement, si comme l'eau noire ou Romentouze, vous avez petit flux d'eau, automatiquement, le risque est grand que la concentration augmente. Donc cette présence ne met pas en évidence une mauvaise pratique de certains agriculteurs, c'est vraiment le résultat de ce qu'on voilà, ce qu'on retrouve dans l'eau en fonction quand même du flux d'eau et des produits qu'on retrouve. Donc voilà, on a certains produits qui dépassent et si vous prenez le tableau sur la droite, on voit que si on prend les 24 analyses de ces 10 rivières, hein, qu'on cumule toutes ces analyses, on voit que la substance qui revient le plus fréquemment dépassement de la limite légale, c'est le glyphosate. Le glyphosate qui est utilisé en grande culture, utilisé dans les cultures spéciales, mais voilà, également utilisé potentiellement aussi par les particuliers ou l'entretien des voies de chemin de fer ou autre, hein, sens, une origine qui peut être multiple. On a environ 30% des analyses des analyses du glyphosate qui montrent un dépassement. Autre substance qui ressort assez fortement, c'est le mycosulfuron avec 12 dépassements. Mais attention là, pour le mycosulfuron, on est déjà dans du 4 à 5% de
toutes les analyses de mucosulfurants qui montrent un dépassement. On teste, voilà, c'est nettement moins. Mais c'est la deuxième substance dans l'ordre d'importance du dépassement. Ensuite, on a quelques substances avec, comme le boscalide, la pentazone ou le thiaclopride, où on a également des dépassements un peu plus fréquents. Il y a une différenciation entre glyphosate avec 50 dépassements, où on indique le chiffre en clair, c'est que c'est la valeur de 0,1 microgramme par litre qui est dépassée. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un potentiel fort risque pour les organismes aquatiques qui se trouvent dans le cours d'eau. Dans le sens, c'est cette valeur 0,1, la valeur toxicologique du glyphosate, elle a été fixée à un ordre de grandeur de 360 microgrammes par litre. Ce qui montre que le dépassement de 0,1 n'a pas forcément toujours un impact réel sur la vie d'un cours d'eau. À la différence du chiffre en gras, du mucosulfuron, du thiaclopride et des quelques produits qu'on retrouve ici, donc ces substances actives-là qui sont en gras, là, à chaque fois, c'est la valeur individuelle de la substance active qui est dépassée. Donc, on peut s'attendre à un potentiel effet de ce dépassement sur la vie biologique d'un cours d'eau. Donc voilà, c'est un peu une situation demi-teinte. Il y a des dépassements, il y a des limites légales qui ne sont pas respectées, mais ce n'est pas non plus des dépassements qui sont faits de manière régulière et qui sont présents massivement partout. On a voilà, quelques cours d'eau, comme l'Eau Noire et le Boiron, où on a quand même une concentration assez importante de viticulture, d'arboriculture sur flux d'eau qui est relativement faible. Le résumé concernant les nappes souterraines est aussi mitigé, mais un peu plus positif. On a quand même plusieurs nappes d'eau où on ne retrouve aucun métabolite de produits phytosanitaires en dessous d'une valeur de 0,1 microgramme par litre, que ce soit pour les substances actives ou les métabolites pertinents. Il y a certains de ces, certaines de ces nappes vont aussi présenter quelques présences de métabolites non pertinents, mais pas de dépassement. Par contre, vous avez différentes nappes qui présentent un, voire deux dépassements. Ça, c'est systématiquement dû aux métabolites du chlorothalonil. Il y a deux métabolites qui sont analysés, un très fréquemment, le R471-811, qui pose problème largement sur le plateau aussi par rapport à la distribution d'eau. Ceux qui sont municipaux d'entre vous sont bien souvent confrontés à cette problématique. Voilà, c'est une réalité. Et les analyses, en fait, on a ces analyses depuis 2019, entre 2019-2020 et 2021, ne montrent pas encore d'amélioration, malheureusement. On a 5 fois des métabolites du chloridazon qui sont présents en dessous de 100 nanogrammes par litre. Mais là, je répète, le chloridazone desphényl n'étant pas classé comme pertinent, ces dépassements ne sont pas problématique légalement. Voilà. Et d'autres métabolites, par exemple du clobénil, l'atrazine, la terbutilazine, métolachlore, en particulier métolachlore, se retrouvent fréquemment. De même que le diméthachlore. On y reviendra tout de suite après ces deux substances qui posent problème et dont politiquement il y a une volonté de réduire leur utilisation. Donc, en résumé, dans les eaux de surface, on retrouve régulièrement des substances actives d'origine agricole et celles-ci en période de végétation. Clairement, si le glyphosate peut avoir une origine hors agricole, c'est clair que le mucosulfuron, la bentazone, le thiaclopride auront principalement une origine agricole et vont se retrouver durant la période de végétation.
Les dépassements sont principalement dus au, comme on mentionnait, au glyphosate, au nitrosulfuron, le poscalidébantazone. Les autres substances vont présenter des dépassements qui ne dépassent pas 2% du prélèvement. Pour les eaux souterraines, on va principalement mettre en évidence le chlorothalonil, qui est interdit depuis 2020, hein, dans le sens où il n'y a plus d'utilisation de chlorothalonil qui est autorisée. Et malheureusement, on doit attendre que le relargage qui se fait à partir du sol dans les nappes souterraines diminue pour voir diminuer la concentration de ce métabolite. C'est un réel et grand problème en général. Les autres métabolites sont présents, mais sans qu'il y ait de dépassement important. Voilà, ça c'est la première partie de ma présentation. Vraiment, l'objectif, c'était pour moi de présenter un peu cette situation des cours d'eau. Il y a ici, pour chaque cours d'eau abordé, j'ai un graphe qui présente en fait les différentes substances qui ont été, bien, les dépassements en fait des différentes substances au fil des analyses. Donc, si quelqu'un a un intérêt pour avoir le détail du combagneau, par exemple, ou bien de la menthe ou du ruisseau de Gy, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets volontiers à disposition cette fiche détaillée. Pour moi, l'objectif, c'est de communiquer ouvertement, mais je voulais éviter de diffuser trop largement ces informations et qu'elles soient mal utilisées. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Alors, il y a une question qui est arrivée dans le chat, ça concerne les médicaments. Est-ce qu'on a retrouvé des traces dans ces mêmes analyses? Oui, on a clairement retrouvé des traces, simplement où je voulais juste mettre en évidence les exigences minimales pour les eaux de surface de 0,1 microgramme par litre ne s'appliquent qu'aux pesticides, donc uniquement aux produits phytosanitaires et aux biocides qui seraient utilisés pour le traitement de façade ou autres. Les médicaments n'ont pas cette limite légale générale. Il y a deux ou trois médicaments qui ont une valeur individuelle. Donc, certaines fois, il peut y avoir quelques dépassements, mais ça reste quelque chose de très marginal. La réalité, c'est que, on va dire comme ça, les produits phytosanitaires ne sont pas tout à fait appréciés de la même manière que les médicaments. Donc ça, c'est une des explications. Et la deuxième explication, c'est aussi qu'effectivement, les lignes toxicologiques ne sont pas dépassées dans la plupart des cas pour les médicaments. On est dans l'ordre de 1 à 2% pour certains médicaments au niveau des dépassements. Alors, il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées sur le chat dans l'intervalle. Si certains d'entre vous auraient une question orale, vous pouvez le faire maintenant en réactivant le micro. Et puis, si ça n'a pas l'air d'être le cas, du coup, ben André, tu peux enchaîner. Voilà, donc je continue avec le choix des produits, dans le sens où on voit que certaines molécules peuvent poser plus de problèmes dans les cours d'eau, et c'est ce que reprend aussi le plan d'action. Hein, donc, le plan d'action ne vise pas forcément uniquement à diminuer l'utilisation des produits, mais à réduire les risques. Hein. L'objectif, c'est de réduire les risques de 50% entre la base 2012-2015 et 2027, donc dans 5 ans. Réduire de 50% les risques pour les eaux de surface, pour les habitats proches de l'état naturel et pour les métabolites dans les eaux souterraines. je vais présenter les résultats d'eau de surface. Simplement, la situation est telle que ce que je vous ai présenté pour le canton de Vaud est valable pour d'autres cantons, dans le sens il n'y a pas de base solide qui permettrait de connaître la qualité chimique des eaux de surface entre 2012 et 2015. Donc, cette base-là n'existe pas. 2021 est la première année où on a quelque chose qui est vraiment solide et sur lequel on peut se baser.
Donc, ce n'est pas l'évolution des analyses chimiques qui va être prise en compte, mais beaucoup plus une évaluation calculée du risque. Et pour cette évaluation calculée, on va utiliser d'un côté le volume des ventes de produits phytosanitaires. Là, c'est la référence 2012-2015 qui va être utilisée. Et Agroscope a calculé un score de risque, donc un risque calculé de chaque substance active, un risque calculé pour les eaux de surface, un risque calculé également pour les habitats proches de l'état naturel et, excusez-moi, un risque concernant les métabolites dans les eaux souterraines. Donc, concernant le volume des ventes, vous avez la statistique de l'Office fédéral d'agriculture qui est mise en ligne. Donc, la référence, c'est 2012 à 2015. On voit que pour les fongicides, bactéricides, il y a peu d'évolution. On aura même tendance à avoir une augmentation en cours entre 2012 et 2015. Attention, là-dedans sont compris du soufre et du cuivre. Donc, des produits qui vont remplacer certaines molécules de synthèse, mais des dosages nettement plus élevés. On a une forte diminution des herbicides, mais on verra tout à l'heure, les insecticides et acaricides sont restés très stables. Et ces insecticides sont représentés une très grande quantité, hein, dans le sens où on est un quart des quantités de fongicides ou d'herbicides, mais c'est les substances avec l'impact environnemental le plus important. Et donc, c'est clair que les insecticides vont probablement faire la différence hein, par rapport à l'évolution du risque. C'est pourquoi l'OFAG a décidé d'agir déjà maintenant hein, dans un objectif de répondre à cet objectif qui a été formulé, la réduction de 50% des risques. Entre autres, comme on l'a vu dans les résultats vaudois, le métolachlore, du métachlore et la terbutilazine sont des substances dont les métabolites se retrouvent assez fréquemment dans l'eau. Et le système de calcul des scores a mis en évidence aussi ces molécules. C'est pourquoi, à partir du 1er janvier 2023, ces substances-là vont être interdites. L'objectif étant, voilà, de réduire l'impact des substances actives par rapport aux eaux de surface, aux souterraines. En ce qui concerne les eaux superficielles, on voit là aussi que dans les scores de risque, la deltamétrine, cypermétrine, donc pyréthrinoïde, y compris la lambda-cyhalothrine ou l'étoffin-prox, représentent un impact relativement important. On a d'autres insecticides comme le chlorpyrifos qui sont déjà retiré, le tirame est également retiré. Donc en fait, ces substances-là, l'objectif est de réduire leur utilisation au strict minimum. Donc là, ce n'est pas une interdiction qui est visée, mais c'est soumis à autorisation de telle manière à favoriser les alternatives et utiliser ces molécules-là lorsque c'est vraiment nécessaire. Malheureusement, on verra tout à l'heure, en fin de matinée, c'est qu'il n'y a pas ça, dans certaines situations, pas d'alternative à ces produits. Donc ça, c'est ce qui est prévu de mettre en œuvre pour répondre à cet objectif du plan d'action. Maintenant, comment ces scores ont été calculés, c'est clair que il y a d'un côté la toxicité du produit qui est pris en compte, mais également le risque de voir ce produit se retrouver dans l'eau souterraine ou dans l'eau de surface. Donc, le dosage joue un rôle, mais aussi son comportement dans le sol. Est-ce qu'il est absorbé sur le complexe argilo-humique? Ou bien, combien de temps il reste actif dans le sol? Combien de temps il lui faut pour être dégradé? Donc, ces scores de risque ont été calculés par Agroscope et ça donne pour, par exemple, des pyréthrinoïdes, des scores qui dépasse 5000, il n'y a pas d'unité, hein, c'est un score de comparaison. Donc, on voit que les pyréthrinoïdes, insecticides utilisés dans le colza, dans le betterave, entre autres aussi,
contre l'alcoolisme ont des scores très élevés et d'autres substances comme l'azulame, mais aussi le régulateur. Certains fongicides pommes de terre, par exemple Cotrimilio, Propamocar, ou bien Pepéqui, que Perry vient de présenter, qui est nouvellement utilisable quand les pucerons de betterave, utilisé quand les pucerons de la pomme de terre également, ont des scores qui sont relativement faibles et les autres substances sont entre deux. Donc, l'objectif pour Agroscope, c'est effectivement d'enlever et de réduire l'utilisation des produits avec un score élevé, de telle manière à atteindre les objectifs du plan d'action. Et il y a aussi la possibilité, justement, si on prend le score de risque pour chaque substance active, l'OFAG ou bien Agroscope a calculé le score sur la base d'une certaine quantité à l'hectare. Donc, si on pondère le risque pour chaque substance d'un produit, donc si on a un produit qui contient trois substances actives, on peut cumuler le score de chaque produit, chaque substance active, pour donner le score de risque du produit final. Et c'est ce qu'on vous propose comme démarche. Vous avez déjà reçu dans les documents qui ont été envoyés en début d'année, donc le résumé des substances actives utilisables dans grande culture. Il y a la dernière colonne qui présente le score des risques. Ça donne cette image-là. Hein. Par exemple, pour les céréales, on a des scores de risque qui varient entre pratiquement 0, bien 0,1, 0, 0,1, jusqu'à un score d'environ 38, 40 pour pain du métalline ou l'opéra. On voit que les différences ne sont pas très, très grandes, mais un élément qui peut quand même être souligné, c'est qu'on voit que en changeant de type de fongicide, on peut quand même assez fortement améliorer le score en fait de la production de céréales sans forcément perdre en efficacité par rapport aux maladies. En choisissant certains fongicides plutôt que d'autres, on a vraiment quelque chose qui s'améliore. On voit aussi malheureusement que les herbicides racinaires ont des scores de risque plus élevés que les herbicides foliaires de printemps. Donc, la recommandation, ce serait de plutôt désherber au printemps. Et là, je suis tout à fait conscient que nous nous contredisons fortement en parlant des questions de résistance. Hein, c'est clair que malheureusement, c'est sur ces produits-là, en tout cas pour les sulfonylurées ou les produits à base de graminicides, qu'on a le plus de résistance déclarée Régras vulpin. Et donc, on doit, dans certaines situations, vous recommander de plutôt désherber avec un Malibu, avec un Hérold, Tarac ou autre, dans un objectif d'arriver à maintenir une bonne efficacité des herbicides. Donc, voilà, là, il y a un conflit d'intérêts très clair. Dernier élément, on le voit généralement, les régulateurs ont un score de risque relativement faible, donc impact sur les différents organismes à cours d'eau relativement faible. Voilà la même image pour le colza. Maintenant, juste comparer l'échelle. Ici, on a dû transformer l'échelle en échelle logarithmique, donc ce n'était pas de 10 à chaque fois, parce que, comme déjà mentionné, les cyperméthrine, Desiprotec, Karaté, Zéon ont des scores de risque relativement élevés. Hein, on dépasse les 10 000. Si vous comparez là, dans les céréales, on est à 45 au maximum, et ici, on est à 100 000. Donc, c'est clair que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les pyréthrinoïdes seront clairement déterminants sur l'atteinte des objectifs du plan d'action. On peut remplacer dans la lutte contre les mellifères de Blocker, par exemple, par de l'amate. Et on voit que l'amate, par exemple, a un score de risque relativement faible en comparaison avec les autres insecticides. Pour la betterave, on a exactement la même image due aux insecticides pyréthrinoïdes. Les nouvelles homologations, donc
Movento ou Gazelle dans la lutte contre les pucerons montrent très clairement que l'impact environnemental est relativement faible. Donc voilà, ça c'est quelque chose de plutôt positif. Au niveau des herbicides, fongicides, rien à signaler, un peu comme je n'aimais pas parler dans le COSA parce que il n'y a pas de grande amélioration à les rechercher, à part que l'on voit que le score de risque du cuivre est des produits contenant des substances spécifiques contre l'oïdium ont des scores de risque légèrement plus élevés que les autres fongicides. Mais voilà, c'est très bien que la problématique cercosporiose, certaines fois, nécessite aussi des interventions avec du cuivre, mais à prendre en compte dans la réflexion. Pour les pommes de terre, de nouveau, un score vraiment déterminé par les pyréthrinoïdes, mais qui sont pratiquement pas utilisés hein, dans la pomme de terre. On n'a pratiquement pas d'utilisation de pyréthrinoïdes. On voit que du Movento, des Pequi sont beaucoup plus bas au niveau du score. Les produits naturels, hein, les extraits de Bacillus, le Nimazal, en fait, on voit qu'il a un score qui est relativement faible, mais en dessous du Movento. Pas trop de détails à aborder concernant les herbicides, hein, dans le sens pour bien se voir que, hein, une différence entre un Bandur et un Boxer ne sont pas très très importantes. Il ne faut pas trop non plus être à cheval sur les détails, mais on voit là de nouveau que le cuivre et le méthylram, et le mucoseb tout à fait semblable au méthylram, ont des scores relativement élevés par rapport à des produits tels que Revus Top ou le Rainman Top, les macros également. Donc voilà, là on voit que voilà, plusieurs applications de produits permettent de pourraient charger quand même, et donc à réfléchir comment utiliser au mieux les différentes substances actives. Pour le maïs, voilà l'image concernant les herbicides. Pas grande différence. La pendimethalin sort un peu du lot, mais ce n'est pas très très différent de du successeur, par exemple, donc avec la pétoxamine ou la dimethyline. Donc, ces scores, on a décidé de les mettre à disposition, de les mettre en ligne. Donc, pour chaque produit, vous allez retrouver ce score dans la fiche, dans le fichier Excel quand on présente le produit. Donc, vous avez le score qui a été rajouté à ce niveau-là, mais également dans les comparaisons des scores. Donc, quand vous prenez le fichier Excel et que vous prenez en fait table des fongicides ou des insecticides, des herbicides, il y a la possibilité effectivement de comparer pour chaque produit. Ici, vous avez ce score haute surface et comparer les différents produits entre eux. Là, on retrouve des produits racinaires d'automne qui sont légèrement plus élevés que les produits foliaires de printemps. Donc, l'objectif a été de communiquer largement cette information, qu'elle soit à disposition ceux qui, donc vous qui désirez aller un peu plus loin dans le choix des produits. Je répète, ne faisons pas trop la différence entre un 26 et un 20. Ce n'est pas quelque chose qui est suffisamment différencié pour orienter le choix du produit. Je reprends là aussi les fongicides céréales. On retrouve certains produits avec un score relativement élevé et d'autres où on est beaucoup plus faible. Donc, effectivement, on voit que il y a possibilité de diminuer légèrement l'impact environnemental. Herbicide colza, j'y reviens tout à la fin de la matinée. Là, le choix va de toute manière se resserrer. C'est la pétoxamine qui ressort un peu plus dans ce cadre. Et dans les fongicides pommes de terre, je n'ai pas tout listé les fongicides pommes de terre, mais le choix s'est restreint avec la disparition du mancozeb. Heureusement, il y a quand même encore suffisamment de produits qui vont permettre une alternance hein, dans la culture. Maintenant, le produit de remplacement du mancozeb, on voit que le méthylram
un score qui est assez semblable au mancozeb. Ces deux molécules très proches l'une de l'autre, hein, ces deux sols, donc effectivement, avec un impact environnemental relativement important. Voilà, en bref, la situation concernant ces scores de risque. L'objectif étant, voilà, de diffuser cette information, d'inciter à la réflexion par rapport à ça, dans un objectif que les produits qui ont un impact plus important sur l'environnement, sur la qualité de l'eau, puissent être réduits dans leur utilisation et que puissent de ce fait là, maintenir la protection des végétaux tout en réduisant l'impact de la production agricole. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, il y a deux questions qui sont arrivées sur le chat. La première, est-ce qu'on a le score de risque pour le Conviso One, donc l'herbicide dans la betterave? J'imagine qu'on doit l'avoir Oui, quelque part. il est en ligne. Alors, j'étais juste, excusez-moi, pomme de terre, betterave, je ne l'ai pas mis là. Maïs. Vous avez Equipower qui est ici. Ça correspond pratiquement au Conviso One. Donc, on est à quelque chose qui avoisine, on est dans des sulfonylurées. Donc, on est autour des 10, 15, je vais dire entre 5 et 15. Pour être. Ok, merci André. Et puis une deuxième question qui est apparue sur le chat qui concerne le score du nicosulfuron qui est effectivement bas dans ce que tu viens de nous présenter. Et puis par contre, c'est une des matières actives qu'on retrouve le plus dans le suivi de la DGE. Donc plusieurs points d'interrogation par rapport à ça. Je comprends tout à fait ce point d'interrogation. Et oui, alors le nicosulfuron est analysé, mais confirme que l'équipe, hein, le forame sulfuron, est également analysé. C'est probablement les caractéristiques chimiques de la molécule qui fait que le forame sulfuron est peut-être mieux bloqué sur le complexe arginine et de ce fait, il reste dans le sol et est moins lessivé ou évacué par les eaux de drainage, qui fait que le nicosulfuron se retrouve plus fréquemment dans des concentrations qui peuvent poser problème pour l'environnement que le forame sulfurant qui se trouve dans les coupes. C'est en liaison avec ces caractéristiques chimiques de la molécule. Alors, il y a... merci pour les compléments. Il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées sur le chat. Est-ce que certains participants voudraient s'exprimer maintenant? Donc, ce serait possible de le faire en activant le micro par rapport à ce qui était produit, ce qui était discuté jusqu'à maintenant. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ok, alors du coup, pas d'autres questions. Je vais enchaîner avec la partie qui concerne. Là, je partage mon écran. J'arrive avec la présentation. Donc, la partie qui concerne les demandes d'autorisation de traitement via Accorda. Voilà, l'écran est partagé. Normalement, ça fonctionne. Donc, jusqu'à maintenant, concernant les demandes d'autorisation de traitement, vous aviez l'habitude d'utiliser le formulaire que je vous ai mis à gauche là sur la slide, que vous pouviez nous transmettre par mail ou bien par courrier. On vous donnait le OK par téléphone, par SMS, et puis ça fonctionnait comme ça très bien. Depuis le printemps 2022, donc depuis là tout de suite, c'est déjà en fonction. On va laisser de côté ce mode de fonctionnement pour les demandes d'autorisation de traitement, et puis vous allez avoir la possibilité de travailler avec le système Accorda, donc la plateforme Accorda que vous connaissez bien pour faire tout. Ben, d'ailleurs, vous êtes certainement en train de le faire ces jours par rapport au recensement. Donc, c'est sur cette même plateforme que vous allez pouvoir dorénavant faire vos demandes d'autorisation de traitement. Et ce système remplace dès maintenant le système habituel qu'on a utilisé avec le fichier PDF. L'objectif dans les quelques minutes qui viennent, c'est que je vous montre concrètement comment ça se passe sur Accorda, donc une espèce de marche à suivre en live de la demande pour que vous soyez un petit peu plus familiarisé avec la démarche.
Donc la première chose à faire, c'est que ben, vous allez vous retrouver sur Acorda, donc en passant soit par le portail Agate ou soit directement sur le portail Acorda. Vous vous connectez avec vos identifiants habituels. Vous allez arriver sur la page d'accueil du système Acorda et puis vous avez tout à droite la possibilité, enfin vous avez le petit onglet divers qui apparaît. Vous allez cliquer dessus. Et puis, ça va vous allez voir apparaître un petit sous-onglet qui s'appelle autorisation de traitement. Là aussi, on clique sur cet onglet spécifique. Et puis, vous allez avoir cet écran qui va apparaître. Et un élément qui est super important, ici, si on regarde cet écran, vous allez me dire, mais là, bah, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Sous autorisation de traitement ici, j'ai rien du tout, je peux rien faire. Donc concrètement, c'est super important d'aller activer votre exploitation en venant chercher ici l'élément à gauche avec la flèche et d'activer en cliquant directement dessus. Et en cliquant sur votre exploitation, finalement, en activant votre exploitation, ça va libérer le système et vous allez avoir cet écran qui va apparaître avec la possibilité de faire une nouvelle demande d'autorisation de traitement. Et puis là, simplement, donc on va cliquer sur cette petite icône. Directement derrière, vous allez avoir la liste des cultures pour lesquelles vous êtes potentiellement amené à faire des demandes qui va apparaître, donc sous la forme d'un menu déroulant. Un élément qui est très important par rapport pour que cette liste finalement soit documentée, c'est qu'au préalable, vous devez logiquement avoir effectué la saisie des cultures dans le système Acorda. Si vous n'avez pas encore fait votre recensement, s'il n'y a pas de cultures qui ont été saisies, pas de parcelles qui ont été saisies, bien entendu que le système ne peut pas les reconnaître. Donc un prérequis pour faire une demande d'autorisation, c'est que vous ayez saisi les parcelles avec les cultures sur votre exploitation. Ensuite, donc on a la liste déroulante. Vous choisissez dans la liste déroulante la culture pour laquelle vous souhaitez faire une demande. Vous avez automatiquement la liste des parcelles avec la culture sélectionnée, donc là en l'occurrence la betterave dans l'exemple que vous avez sous les yeux, qui apparaissent. Ici, dans cette exploitation fictive, on a juste une parcelle, mais si vous auriez trois parcelles de betterave, automatiquement, elles vont apparaître, elles seront présélectionnées directement. Donc vous n'avez pas besoin d'aller les chercher, c'est le système qui va vous les faire apparaître directement. Vous pouvez cocher, valider les parcelles sur lesquelles vous avez prévu de faire l'intervention. X ou Y, et vous avez aussi la possibilité de modifier la surface traitée. Donc, si vous souhaitez intervenir sur les chintes, sur les bordures, sur une surface partielle, vous avez la possibilité à cet endroit-là de modifier la taille de la parcelle en fonction de ce que vous avez prévu de faire. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir documenter, renseigner votre demande. Là aussi, en utilisant les menus déroulants qui sont proposés, avec ici, par exemple, un insecticide pulvérisé. Et puis, ce qui est nouveau pour 2022, et ça, c'est vraiment lié au fait que le système Acorda, il est utilisé par plusieurs cantons. Jusqu'à maintenant, dans le canton de Vaud, on ne vous demandait pas de renseigner le nom du produit et puis le dosage auquel vous aviez prévu d'intervenir. Certains autres cantons romands le demandaient et du coup, on a uniformisé le système, ce qui fait que maintenant, vous avez l'obligation d'indiquer le produit avec lequel vous souhaitez faire l'intervention et le dosage que vous pouvez paramétrer en termes de grammes, litres, kilos ou millilitres. Les produits vont venir automatiquement dans le menu déroulant. Vous n'avez plus qu'à choisir le produit avec lequel vous avez prévu l'intervention, de faire l'intervention. Vous allez ensuite pouvoir renseigner la date d'application prévue, l'insecte contre lequel notamment vous avez prévu d'intervenir, ou la maladie ou autre. Ici, on est dans l'altise. Le stade de la culture, donc ici, stade cotylédon. Et puis, vous avez toujours cet élément-là, justification de la demande, qui correspond finalement à ce qu'on avait avant sur le document papier, où vous allez expliquer finalement pourquoi, justifier pourquoi vous avez besoin de faire cette intervention. Ici, j'ai noté que voilà, on a d'importants dégâts sur cotylédon, donc on a 80% des plantes qui sont touchées avec plusieurs morsures et c'est pour ça finalement que le traitement est nécessaire. Vous avez également aussi la possibilité de joindre une photo. C'est vrai que certains parmi vous ont pris l'habitude de nous transmettre des photos de la problématique par WhatsApp.
Ça, c'est toujours possible de faire, bien entendu. Mais si vous avez une photo sur votre ordinateur ou votre téléphone portable, vous avez la possibilité de la charger et de la joindre directement à la demande. Bien entendu que ce n'est pas obligatoire, hein, ça c'est bien clair. Mais si vous en avez une, ça permet d'illustrer, thématiser, préciser votre demande. Une fois que vous avez fait tout ceci, vous allez enregistrer la demande et concrètement, en cliquant sur le bouton enregistrer, ça va transmettre votre demande chez nous à la station, à la SPP, et vous allez recevoir un email de confirmation comme quoi votre demande a bien été transmise à la SPP pour traitement. L'adresse mail qui va recevoir le mail de confirmation est bien entendu celle que vous avez saisie dans le système Acorda. Une fois que la demande a été transmise par la validation enregistrée, dans le système, vous allez avoir un élément comme quoi votre demande est en attente de traitement à la SPP. Vous avez la possibilité aussi, si vous vous rendez compte que vous êtes trompé dans la demande, que vous souhaitez la modifier, éventuellement la supprimer, vous avez la possibilité, avec tout à droite ici sur l'écran, d'adapter votre demande et de la renvoyer si nécessaire. Voilà, donc c'est tout à droite de l'écran que vous avez la possibilité de le faire. Ensuite, au niveau de la réponse, donc sur le système Acorda, lorsque la SPP se sera positionnée, soit en acceptant, soit en refusant votre demande, éventuellement en demandant des compléments d'information, vous allez avoir l'information qui va apparaître ici. Là, en l'occurrence, la demande fictive a été acceptée. Donc, on s'engage à vous répondre dans la demi-journée. Ça, c'est un élément qui est primordial pour nous. Vous avez l'information rapidement. Bien entendu que la plupart d'entre vous, en saison, vous n'aurez pas envie de vous connecter au système Acorda pour savoir si la SPP vous a accordé ou pas la demande. Donc, la première chose à faire, et ça c'est le système que beaucoup d'entre vous connaissez jusqu'à maintenant, nous lancer un coup de fil, on discute par téléphone, on vous donne le OK par téléphone et vous faites la démarche administrative par la suite sur Acorda. Ça, bien entendu, que c'est toujours possible de le faire et comme ça vous permet d'avoir une réponse dans les minutes qui suivent et puis de déclencher l'intervention à la bonne plage de traitement. Par contre, un élément qui est très important, c'est du moment que la SPP a validé ou refusé votre demande, vous allez recevoir un email qui va vous donner, donc sous cette forme-là, qui va vous donner les indications si la demande est acceptée ou pas, est-ce que vous avez la nécessité, l'obligation de laisser un témoin non traité ou pas, et puis on peut préciser aussi certains éléments. Là, vous avez des indications, on vous rend attentif par rapport à la problématique de la dérive et du ruissellement. Donc, on a aussi la possibilité, nous, de mettre du texte supplémentaire lorsqu'on valide ou qu'on refuse la demande. En l'état aujourd'hui, ce mail est à imprimer, à conserver de votre côté. C'est ce qui fait foi en cas de contrôle PER. Donc, jusqu'à maintenant, le système était que nous, la SPP, on préavisait la demande, ça partait à Marcelin, c'était tamponné et vous receviez ensuite la demande validée, soit par papier, soit par mail. Ce système tombe. Maintenant, ce qui fait foi, donc, c'est uniquement le mail qui va arriver chez vous par retour dans le système, avec le système Acorda. On a une demande qu'on va faire à nos collègues qui a été proposée lors d'une séance en live, en présentiel la semaine dernière. C'était que cette réponse vous soit fournie toujours par mail, mais que dans le mail, vous ayez un fichier PDF. C'est plus facile à imprimer, c'est plus facile aussi à enregistrer sur vos ordinateurs. Donc, que la validation ou le refus soit acté sous forme de PDF. Donc, ça, c'est une modification, une demande de modification qu'on va faire à nos collègues qui s'occupent du système Acorda. On peut imaginer que ce sera le cas. Une deuxième demande qui a été faite aussi et qu'on va transmettre cette semaine à nos collègues, c'était que ce PDF de validation ou de refus de la demande soit stocké finalement sur le système Acorda. Comme ça, si tout d'un coup vous perdez le mail, si vous supprimez votre fichier par inadvertance sur votre PC, vous avez la possibilité de retrouver la demande validée sur le système Acorda. Bien entendu que ce système fonctionne aujourd'hui, on a pu le tester, on a déjà des demandes qui ont passé par ce circuit-là. Ce printemps, ben, ça fera un système de test en grandeur nature et il y aura certainement des peaufinements, des petites adaptations qui seront faites en cours de route, mais le système actuellement fonctionne. Un élément qui est très important aussi, c'est que si vous ne veniez à ne pas faire le traitement, pour une raison X ou Y, à ce moment-là, vous avez la possibilité de nous en informer
en cliquant dans le système Accorda tout à droite, en supprimant la demande. Et de ce fait, ça permet de mettre à jour les statistiques. Et c'est un élément qui est important quand on renseigne le nombre d'hectares qui sont traités dans le canton. C'est des renseignements qu'on doit transmettre à Berne. Donc le but, c'est qu'on soit le plus précis possible. Donc si vous avez renoncé à faire le traitement, supprimez, annulez votre demande dans le système Accorda, comme ça on a des statistiques qui sont à jour. Jusqu'à maintenant, vous deviez nous renvoyer le formulaire comme quoi vous n'aviez pas fait le traitement, qui indiquait comme quoi vous n'avez pas fait le traitement. Donc ce renvoi n'est plus nécessaire, vous pouvez le faire directement par Accorda. Donc, en résumé, depuis ce printemps, les demandes d'autorisation de traitement sont à faire via la plateforme Accorda. Le système est fonctionnel. Vous recevrez le statut de votre demande acceptée ou refusée par email. Donc, les SMS que certains d'entre vous avaient l'habitude de recevoir, on n'en aura plus. Donc, ce sera directement par email. Et puis, cet email est à imprimer pour le contrôle PER d'année en année. Voilà. On voulait profiter de vous avoir en ligne ce matin pour vous présenter ce changement de pratique. Pour l'instant, les échos sont plutôt favorables. Donc, on est à votre écoute s'il y a des questions par rapport à ce système. Apparemment, ce n'est pas le cas. Donc, n'hésitez pas en cours de saison à nous transmettre vos remarques, hein, vos propositions d'adaptation. On est toujours preneur pour améliorer le système. Si il n'y a pas d'autres questions, ça ne semble pas être le cas. On va continuer avec la dernière partie de cette matinée. Ça concerne l'évolution de la protection des plantes dans la politique agricole, qui est clairement, il ne faut pas l'oublier, hein, tout ce que je vous présente ici, il faut le mettre en regard du 13 juin dernier avec le contre-projet inofficiel de la Confédération, donc cette PAIV, comme on l'appelle, donc les mesures préparées ou proposées par les chambres fédérales pour adapter la politique agricole. Et ces mesures vont toucher tous les éléments de la pyramide de la production intégrée, donc avec des mesures préventives, par exemple, on voit que les 3,5% des SPB qui étaient à l'heure actuelle calculés sur la SAU vont être calculés sur les terres assolées. On a des modifications. Merci. Excusez-moi, je n'ai pas partagé. Je suis parti trop vite, hein. Là, maintenant, cette fois, ça devrait. Mes excuses. Donc voilà, donc les 3,5% d'SPB sur les terres assolées qui vont être retravaillées, donc un changement fondamental dans l'organisation quand même de l'exploitation. Les primes extenso, comme on les appelle, vont être remplacées par des primes sans produits phytosanitaires, mais de nouvelles cultures vont être incluses dans la démarche. On abandonne le statut particulier de la betterave, ça je pense c'est une bonne chose. Et au niveau des conditions d'application des produits, il y a des contraintes supplémentaires et, comme déjà évoqué, le choix des produits. Donc, si je prends le premier, excusez-moi, à côté des mesures concernant plutôt les produits phytosanitaires, il y a encore une modification de la marge de tolérance du susbilant. Donc, abandon des 10% de marge de tolérance pour azote et phosphore. Et des modifications des exigences concernant les mesures de réduction du travail du sol. Là, je l'aborderai très rapidement aussi en fin de présentation. Donc, si on vient au choix des produits, alors pour les herbicides maïs, je commence par cette culture-là parce que c'est une des cultures les plus touchées. Il s'agit du nicosulfuron, de la terbutilazine et du métolachlore qui sont touchés. Trois molécules, mais donc qui seraient interdites dès le 1er janvier 2023. Mais si on prend les produits vendus qui contiennent l'une des trois molécules, c'est l'aspect que vous retrouvez. Donc c'est clair que il y a une grosse part des différents produits, mélanges de produits qui sont actuellement sur le marché, qui ne pourront plus être
utilisés à partir du 1er janvier 2023. Je dis pourront, comment dire, la décision définitive sera prise par le Conseil fédéral au mois d'avril. Ce que je vous donne comme information n'est pas définitif, mais cette liste de substances à substituer, y a peu de chances qu'elle varie encore ici. Pour le maïs, on a tout de même encore des possibilités d'intervenir avec la mésotrione ou la cambotrione. On a parlé de Equip Power, donc le forame sulfuron n'est pas touché, de même que le Titus, qui pourrait être également la dengue. Donc, il n'y a pas forcément d'impasse dans le désherbage, mais c'est clair que le choix des produits se réduit quand même assez fortement. Mais il nous semble important quand même déjà d'informer à l'heure actuelle, parce que ça veut dire que tous ces produits, ils ne pourraient plus être utilisés à partir du 1er janvier 2023. S'ils se trouvent dans votre armoire, il faudrait les utiliser pour cette campagne. Si on continue avec les herbicides colza, là, ce sont le métazaclor et le diméthaclor qui sont concernés. Donc là, de nouveau, à partir du 1er janvier 2023, de nouveau, ça concerne une liste de produits relativement importante, puisque c'est ces deux molécules qui seront principalement mélangées dans les produits formulés. Il reste tout de même encore le Devrinol-Top ou bien pétoxamine pur chlomazone, donc colzaphène, rodinol, rédi, qui continue à permettre un désherbage quand même correct du colza. Et pour terminer également, j'attire l'attention que le Caire, bon bien, propizamide, Caire, Granate et compagnie ne sont pas touchés par cette mesure. Donc les alternances de désherbage des graminées aux produits graminicides qui posent de plus en plus de problèmes, on a de plus en plus de craintes de perte d'efficacité. Ces alternances sont toujours possibles. Donc là, de nouveau, oui. Restrictions supplémentaires, contraintes dans le choix, mais ça ne met pas en péril le désherbage du colza. Si je reprends les insecticides du colza, je rappelle juste la situation actuelle concernant les homologations entre le Piscaya qui ne peut plus être utilisé en 2022, donc il a été retiré fin 2021, donc s'il en reste en stock, vous devez le rendre au vendeur. On a certains produits qui sont retirés, ou bien utilisables encore cette saison, cette campagne, jusqu'au 1er juin pour le Fury, 1er juillet pour le Talstar ou le Plenum. Et on a également le Fast Acperl qui est retiré et le 36-2023. Donc c'est clair que d'une situation avec une panoplie large et surtout, j'attire votre attention sur les groupes d'insecticides, hein, dans le sens des groupes de résistance quand même très diversifiés, la situation se réduit. Donc ça n'a rien à voir avec la politique agricole, c'est des retraits de substances, premièrement en Union européenne et qui sont ensuite retraduits en retrait en Suisse. Et un autre élément pour ceux qui lisent un peu la presse européenne, une grosse interrogation par rapport à l'indoxacarbe, la mate, qui est également retiré en Union européenne et une durée de vie limitée pour la Suisse également. Donc ça, c'est la situation d'homologation. Maintenant, si on rajoute ce que nous prévoit politique agricole, c'est que toutes ces substances qui sont traitées en rouge sont à l'heure actuelle déjà soumis à autorisation pour les insectes d'automne, hein, autant pour la grosse altise, ça rançon du bourgeon terminal avec une crème, donc là, déjà l'habitude de fonctionner comme ça, mais serait à partir du 1er janvier 2023 également soumis à autorisation. Donc les moyens de lutte contre le gros charançon seraient soumis à autorisation et également le blocaire serait utilisé contre les mégots. Donc voilà, c'est clair que le moyen de contrôle des insectes dans le colza se réduisent. Donc il s'agit là aussi de
de tester d'autres substances, de tester d'autres méthodologies qui permettent de réduire la dépendance aux insecticides. Malheureusement, nous, ni le CETIUM ou d'autres instituts européens n'ont de solution facile à mettre en œuvre. C'est vraiment une situation généralisée concernant l'homologation des produits. Autre modification, celle-là plutôt positive parce qu'elle donne une plage d'intervention plus large à l'automne. Donc, l'interdiction de traiter serait décalée au 1er novembre au 15 novembre. Donc, possibilité de traiter jusqu'au 15 novembre est interdite dès le 15 novembre jusqu'au 15 février. De même que l'application très levée, elle serait potentiellement aussi possible jusqu'au 15 novembre. Donc, on insiste un peu sur cet aspect d'application de prélevés, puisque pour l'efficacité de ces herbicides racinaires d'automne sur les graminées, les implications assez précoces sont légèrement meilleures s'il y a suffisamment d'humidité du sol. Quand on est en période de sécheresse, ben c'est clair que le petit côté foliaire de ces produits peut améliorer l'efficacité. Mais on a cette efficacité légèrement meilleure dans un traitement précoce. Et deuxièmement, par rapport au risque environnemental, on sait que des traitements très tardifs présentent un risque plus important puisque le produit a moins le temps de se bloquer sur le complexe argilo-humique. Et que quand on traite le 10 novembre et qu'on a 50 mm de pluie qui suivent à partir du 15 novembre, le produit a moins le temps de se fixer sur le sol. Donc, on aura tendance à plutôt mettre en avant cette possibilité-là et d'intervenir relativement précocement plutôt que d'attendre de traiter le 13 novembre. Donc, ça, c'est première chose. Maintenant, à partir de l'année prochaine, des mesures vont être mises en œuvre ou bien doivent être mises en œuvre pour limiter d'un côté la dérive. Ça concerne toutes les applications. Indépendamment, donc toutes les applications de produits phytosanitaires, indépendamment qu'on se trouve à côté d'une route ou d'un cours d'eau ou autre, donc, toutes les applications devraient prendre des mesures de lutte contre la dérive. Et le long des cours d'eau ou le long des routes avec évacuation d'eau, soit des abattoirs, soit un drainage qui serait en aval des parcelles, donc où l'eau peut sortir de la parcelle et s'écouler sur la route et donc entrer directement dans les canalisations. Là aussi, des mesures supplémentaires concernant le ruissellement devraient être prises. Ça veut dire que pour la dérive, on va pratiquement pas pouvoir passer à côté de la mise en place de buses injection d'air. Et donc, si on a une buse injection d'air et qu'on traite un maximum 3 bars, on respecte cette exigence de 75% de réduction de la dérive. Donc, on ne parle pas ici des grandes buses injection d'air longues et qui produisent des très grosses gouttelettes, mais bien des buses injection d'air plus courtes et qui donne quand même encore satisfaction au niveau de l'efficacité. Maintenant, il serait possible aussi de remplacer cette buse par une bande végétalisée ou une haie de protection, mais c'est clair que ça voudrait dire que vous devriez entourer chaque parcelle d'une haie, ce que peut recommander. Concernant les 50% de réduction de dérive, il y a différentes mesures qui sont possibles. Premièrement, ce qui a déjà largement été communiqué, c'est 6 mètres de surface qui seraient entièrement enherbés le long des routes. C'est déjà le cas pour le cours d'eau, bien souvent. Le semi-direct, ou bien semi sans labour, je veux dire, parce que semi-direct, le semi-bambou, le semi-solitaire sont reconnus en tant que tels. Mais il est possible aussi de semer des bandes herbeuses à l'origine du ruissellement ou d'enherber 3 mètres de tournière ou également
On a été chercher confirmation, l'enherbement des passages de traitement, donc en fait, de semer également sous la roue du tracteur dans les céréales, pourrait aussi permettre de respecter cette exigence de réduction de ruissellement. Mais il est clair que ça va impliquer quand même voilà, des changements concernant l'utilisation du sol, des réorganisations de certaines parcelles pour permettre de respecter ces exigences. Donc, je rappelle qu'il s'agit bien des exigences concernant aussi les routes avec des évacuations dans les canalisations, mais uniquement pour les routes qui se retrouveraient en bas d'une parcelle, pas pour les routes qui seraient en haut d'une parcelle. Et ça concerne toutes les applications de produits phytosanitaires. Donc, voilà pour les conditions d'application. Donc, le tout appliqué donc, normalement dans la décision, je répète, mais dès le 1er janvier 2023 pour les conditions d'application d'automne, et pour les mesures réduction de dérive, réduction de ruissellement, elles devraient être appliquées dès le 1er janvier 2023. Mais il n'est pas prévu de contrôler avant le 1er janvier 2024. Donc, en fait, le contrôle de ces mesures se ferait seulement à partir de l'année 2024, pas l'année prochaine. Voilà, donc c'est clair que ça nécessite une réflexion et tout est important que vous ayez le temps pour préparer le tout de telle manière à ce que vous semez des nouvelles cultures, vous ayez déjà pu anticiper. Au niveau de la contribution extenso, donc comme déjà mentionné, elle se transforme en réduction d'utilisation des produits phytosanitaires. On a deux éléments qui changent. On a le montant pour le colza qui passe de 400 francs à 800 francs. La betterave, qui avait un programme spécial, a maintenant également montant de 800 francs. Et nouvellement, la pomme de terre peut aussi donner droit à des contributions. Pour les autres cultures, céréales, pois, févrole, j'ai oublié de mentionner le tournesol, donc tournesol y compris, les 400 francs restent. Et par contre, pour soja, maïs, où il n'y a pas de produits homologués, les contributions ne sont pas versées ni pour les céréales ensilées. Je répète que pour le colza, le kaolin est toujours possible. Elle touche la contribution à quitter les galons impossibles. De même, la naminarine, donc c'est la même condition que pour l'extension actuelle, et une particularité pour la pomme de terre. Donc, bien entendu, que ce n'est pas des pommes de terre sans fongicides, donc là, on exclut que les insecticides et les régulateurs, donc le Fasor. Mais l'huile est utilisable dans la production de plants. Donc, les mesures de protection de la transmission des viroses serait toujours possible tout en touchant les 800 francs. Précisons également que les exigences se font sur l'entier du même code culture et toutes les substances de base et micro-organismes sont exclus de la mesure, donc en fait, peuvent être appliquées sur les parcelles. Excusez-moi, je vais préciser, donc ceci se mettrait en œuvre pour les cultures récoltées en 2023. Donc ce qui veut dire, c'est que ça s'appliquerait déjà au semis 2022. Donc les colzas céréales qui seraient semés en 2022 devraient être appréciés selon ces exigences pour pouvoir toucher la contribution en 2023. Les contributions de réduction d'herbicides vont également être adaptées. Là, c'est d'un côté le montant qui est adapté. Donc, on a 600 francs pour colza et pommes de terre. Dans les pommes de terre, les défanants sont nouvellement possibles. Ça, c'est un soulagement. Pour betteraves et toutes les autres cultures, on a un montant de 250 francs. Je précise bien que pour les betteraves, les conditions sont légèrement différentes. Dans le sens, si pour toutes les autres cultures, il s'agit de pas mettre d'herbicide de la récolte de la culture précédente à la récolte de la culture principale, donc sur toute une année de production,
pour la betterave, l'application d'herbicide est possible jusqu'au stade 4 feuilles et 250 francs par hectare de prime ne sont donnés que si plus d'herbicides à partir après le stade 4 feuilles. Les autres mesures betteraves, donc sans herbicides du tout, liées contribution fédérale, tomberaient. Un changement notable, c'est que si jusqu'à présent il était possible d'inscrire parcelle par parcelle, ici c'est de la même manière que pour l'Exenso, c'est l'entier du même code culture qui est demandé. Donc en fait, ça réduira quand même la flexibilité dans l'inscription des parcelles. Et également, dans la politique actuelle, dans les mesures actuelles, il y avait un 200 francs de supplément si on faisait du sans herbicide, sans labour, et ce supplément est abandonné pour 2023. Donc, de toute mise en œuvre à partir des cultures récoltées en 2023, donc ça s'appliquerait également au semis de cet automne pour les cultures qui sont mises en place cet automne. Voilà, donc ça c'est les mesures qui concernent plutôt les produits phytosanitaires. Un élément encore concernant le contrôle des conditions d'utilisation, effectivement, on essaye de vous communiquer de manière toujours plus précise dans les fiches techniques, dans le fichier Excel, dans nos bulletins, les conditions d'utilisation des produits. Les contrôles vont être effectués concernant mise en œuvre de ces conditions d'utilisation des produits. Donc, certains contrôles seront probablement spécifiques. Là, le détail n'est pas encore connu. Ça devrait s'appliquer probablement de manière préventive, si on veut, 2023 et de manière avec sanction à partir de 2024. Et une réflexion en cours de faire une analyse de risque à l'image de ce qui vous a été proposé dans le document qui a été envoyé avec les documents pairs, donc de prendre la liste des produits que vous utilisez sur l'exploitation et de lister les contraintes d'utilisation. Donc le fichier Excel qui est en ligne vous permet déjà de le faire. Donc en choisissant l'onglet liste, ça vous permet de composer votre liste de produits que vous utilisez sur l'exploitation, de résumer les contraintes d'utilisation en fonction des cultures que vous avez sur l'exploitation. Donc ça montre là également une évolution à prévoir. J'en viens juste sur les SPB, sur les terres assolées. Donc à l'heure actuelle, on a obligation d'avoir 7% de la surface agricole utile qui doit être en SPB. Nouvellement, il y aurait cette exigence d'avoir minimum 3,5%, donc la moitié de ces SPB sont situés sur les terres assolées. Donc il est clair que pas seulement d'entre vous vont réagir en disant oui, mais on avait la pestac, prairie extensive sur terre assolée gelée, qui est devenue maintenant, quitter les terres assolées, est devenue prairie permanente. Donc effectivement, il y a une partie de ces prairies qui ne pourront, qui ne suffiront plus pour respecter les exigences, puisque ces SPB sur terre assolée, c'est uniquement la jachère, l'ourlet, les bancs de culture à l'extensive et les bancs de fleurs. Nouvellement, va se rajouter probablement une nouvelle mesure, ce serait des céréales en rangée large. Céréales en rangée large, ça veut dire c'est que ça doit permettre aux différentes adventices présentes dans les parcelles de pouvoir avoir un peu plus d'accès à la lumière. Ça devrait favoriser l'émergence des alouettes. Mais cette céréale en rangée large peut représenter au maximum que 50% des 3,5% exigés en terre assolée. Donc 50% devrait aller le chercher dans ces types de SPB mentionnés ici. Donc ça, c'est une mesure assez drastique, je dirais, qui va s'appliquer déjà dès les semis 2022, donc pour les cultures récoltées 2023.
Donc, c'est là aussi de nouveau il est important de réfléchir déjà maintenant comment est-ce qu'on va réagir, comment est-ce qu'on va mettre en place tout ceci, en sachant que dès le 1er janvier 2023, votre exploitation devra présenter 3,5% de SPV sur terrain solide. À inclure également la réflexion de bandes herbeuses le long des routes, hein, de sens de ce serait à l'heure actuelle possible d'avoir un ourlet qui compte comme SPV et qui compte également comme mesure de réduction du ruissellement. Par exemple, comme idée des possibilités de concrétiser. Rapidement, concernant les mesures de travail du sol, donc là, des modifications, environ, je dirais deux principales. Premièrement, c'est que pour toucher la contribution réduction de travail du sol, donc sans labour, il faut la coupler avec une couverture du sol. Couverture du sol, non, couverture du sol après la récolte. Obligation de couvrir le sol en l'espace de, c'est pas encore déterminé, 6, 8, 5 semaines après la récolte. Et cette couverture devrait être laissée en place jusqu'au 15 février. Je précise juste que cette couverture obligatoire peut aussi être mise en place avant la récolte, ce qui veut dire les couverts ou les cultures associées de céréales ou de colza qui auraient en fait une espèce qui passe l'étape récolte et qui est présente après la récolte pourraient également être envisagées. Contribution uniquement si 60% des surfaces restent les exigences et ça donnerait une contribution, en tout cas provisoirement prévue telle quelle, de 250 francs pour la réduction du travail du sol et 250 francs pour la couverture du sol. Mesure qui doit être réalisée pour les cultures récoltées en 2023, pour toucher les contributions en 2023, donc à inclure et intégrer dans la réflexion déjà pour les semis 2022, donc automne 2022. Vous allez vous dire d'où est-ce que vient l'argent qu'on va injecter dans ces nouvelles mesures. C'est tout simplement la prime de base de 900 francs qui va être réduite à 600 francs. Et donc, il y aura 300 francs à compenser avec ces mesures complémentaires. Je répète, l'information est provisoire, la décision définitive et le détail des décisions sera connu en avril, après la décision du Conseil fédéral. Mais déjà, première chose, contrôlez votre stock d'herbicides maïs et colza de telle manière à éviter d'avoir des stocks importants de produits que vous ne pourrez pas utiliser en 2023. Donc, herbicides colza et maïs, avec les substances retirées. Dernière année d'utilisation 2022. Voilà, il est bien clair que nous allons préciser tous ces éléments lors de la journée grande culture herbage qui a été fixée au 14 juin à Grangevernais. Donc là, l'objectif, c'est de présenter les mesures telles qu'elles ont été définies en avril, d'avoir plus de précision comment mettre en œuvre tout ceci de telle manière à ce que soyez prêts pour la campagne 2022-2023. Je termine encore avec juste des précisions concernant le plan phyto-vaudois. Donc, les mesures qui étaient appliquées en 2021 sont reconduites en 2022, y compris toutes les mesures concernant la betterave à sucre, donc sans modification des exigences. Une nouvelle mesure a été ajoutée. C'est une mesure de soutien pour l'application d'herbicides par des techniques d'application ciblées. On pourrait dire c'est un soutien à l'application plante par plante avec éco-robotics. Mais dans le sens, l'objectif, c'est clairement de ne pas la verbaliser telle quelle pour laisser ouvert d'autres techniques de détection et d'autres outils ou méthodologies qui pourraient aux mécanisations qui pourraient être mises en œuvre. Donc, c'est simplement obligation d'utiliser un pulvérisateur avec une reconnaissance digitale, application plante par plante. Donc,
a une contribution qui est très élevée, mais qui couvre en partie les coûts de mise en œuvre. Voilà, j'arrive au terme de la présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques, des réactions. Alors, il y a une question qui est arrivée dans le chat concernant la problématique du ruissellement le long des routes. Concrètement, est-ce que les bornes fleuries ou les jachères, on vient de voir qu'elles seront utiles pour atteindre les 3,5% de SPB dans les terrains assolés, est-ce que ces mêmes bornes fleuries et jachères pourront être aussi utilisées dans les mesures de limitation du ruissellement le long des routes? Ou est-ce qu'il faudra que ce soit strictement enherbé? Actuellement, l'information qu'on nous a donnée est que oui, mais que des démarches sont en cours pour dire non. Dans le sens, actuellement, la base légale ne permet pas de l'exclure, donc effectivement, ces mesures-là pourraient être appliquées. Par contre, il y a des démarches au niveau de l'Office fédéral de l'environnement pour dire qu'on ne veut pas ces SPB comme bande tampon. Et ça, c'est un débat politique, on ne peut pas dire où ça va nous mener. Donc, pour l'instant, on peut répondre par oui. Merci pour la précision. Il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées sur le chat. Maintenant, comme on est au terme de la matinée, on peut ouvrir les questions générales qui resteraient à traiter. Donc, si l'un ou l'autre d'entre vous a encore une question par rapport aux éléments qui ont été abordés ce matin, vous pouvez sans autre vous exprimer. Donc, il n'y a pas de questions. Donc, il est clair, n'hésitez pas. C'est clair que le chat n'est pas toujours très facile. La version en ligne n'est pas toujours très facile pour trouver des bonnes solutions et de communiquer facilement. Mais n'hésitez pas à nous recontacter par mail ou quoi que ce soit pour clarifier toutes les questions. Et n'hésitez pas à nous soumettre aussi vos questions ou remarques concernant ces nouvelles exigences. C'est clair qu'on essaye de les faire remonter et d'en discuter avec les offices concernés de telle manière à arriver à préciser au mieux pour qu'on soit aussi clair que possible dans ce qu'on peut communiquer.